Avec combattants. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, des gens follow la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va faire du Seigneur des Anneaux. Alors là, on va découvrir l'après-alpha, d'un jeu complet qui est fait par la communauté, donc gratuitement. Et le but, c'est de réimaginer un jeu qui date de 2010 à peu près. Attendez, je mets la pause et je vous sors le trailer du jeu. Voilà, YouTube, j'ai le fameux trailer. Alors, le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, launch trailer, c'est parti. Et en même temps, je vous explique. Donc, ce jeu, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent les anciens Star Wars Battlefront 2, c'est ça, Star Wars Battlefront, mais en mode Seigneur des Anneaux. C'est le pitch du jeu, ok? Donc, vous prenez une classe, vous allez capturer des points en multijoueur, tout ça. Et il y avait une campagne solo sur ce jeu-là aussi. Mais en mode Seigneur des Anneaux, le pitch était dingue. Vraiment, vivre des batailles monumentales. Et avec la licence Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Donc là, vraiment, il y a tout. Il y a tous les droits, vous voyez. Tous les lieux emblématiques. C'est le jeu que j'ai attendu toute ma vie. Lorsqu'il est sorti, je suis allé en magasin pour acheter la version collector. Je lui ai dit, je veux la version collector. Il m'a dit, il n'y en a pas. Bon, bah, j'ai acheté le jeu classique. Et du coup, non, il était même pas là. J'ai dû attendre une semaine après, je me rappelle. J'ai crève-cœur. Il l'avait pas reçu le jour de la sortie du jeu, j'étais dégoûté. Bref, le jeu était sorti, formidable, on y joue, c'est cool. La nostalgie, fan de Seigneur des Anneaux, donc moi j'étais jeune, j'y jouais en boucle, en boucle, en boucle. Et j'avais l'impression de vivre la meilleure aventure de ma vie, quoi. Ça a de la gueule quand même, hein, pour voir que ça s'est sorti il y a longtemps. Un petit peu. Là on a du multijoueur, là. C'est sympa quand même. On termine le trailer. Ouais. Oh là là! Oh la musique, non! On termine rien! Les copyrights, Seigneur des Anneaux, dans mon cul! Eh ben tant pis, ce sera une VOD où il n'y aura pas de monétisation. Hein. Oh non, c'est dommage. C'est pas grave. Allez, oh, c'est gratuit, c'est pour vous. Et donc voilà, on a l'âge des conquêtes, c'était ça ce jeu. The Lord of the Ring Conquest. Juste, c'est conquête en anglais. Ils ont traduit ça en l'âge des conquêtes. Rien à voir avec le Lord de Seigneur des Anneaux. Pourquoi ça serait l'âge des conquêtes? On sait pas. Mais bref, voilà le jeu. Et donc, c'est un vieux jeu. Mais voilà, malgré tout le côté fan de Seigneur des Anneaux que j'ai et tout, c'est terrible parce que le jeu n'était pas bon. Je vous vois dans le chat, tous les fans qui sont en mode oh, c'était incroyable ce jeu et tout, Redfield incompris. Moi-même, je suis en mode tous mes souvenirs quand j'y repense, c'était incroyable. Mais en vrai, il est pas bon, le jeu. Il est pas bon. Le système de combat, il est moyen. Les combats dans le solo, c'est du vite fait, quoi. On est loin d'un Mountain Blade, quoi. On est loin d'un Mountain Blade en termes d'immersion dans le combat et tout. C'est moyen, globalement. Et le multijoueur, qui est censé être l'étendard d'un jeu de style Star Wars Battlefront, il était pas bon du tout. Il y avait chaque orc, niveau immersion, d'ailleurs moi qui adore l'immersion dans les jeux, et j'apprécie un jeu par son immersion, on allait dans un univers de Seigneur des Anneaux, d'arriver sur un champ de bataille multijoueur ou solo, il y a des magiciens partout qui font ça avec leur bâton en l'air là, hop, ils lèvent le bâton en l'air, ils ont une boule de protective autour d'eux, et ils arrêtent les flèches et tout avec, ils balancent des boules de feu. Alors que même Gandalf dans le film, mais dans les films, même Gandalf, les boules de feu, voilà, c'est une fois par épisode, quoi. Et sur le 2 et sur le 3 à la limite, quoi. Mais on s'arrête là, quoi, au niveau des pouvoirs magiques. Là, t'arrives sur un champ de bataille où il y a des mecs qui balancent des boules de feu, il y a des mecs, ils arrivent derrière toi, ils sont invisibles, il y a des mecs comme ça, par la magie du Saint-Esprit de la Terre du Milieu, t'appuies sur un bouton, tu deviens invisible. Tu vas derrière un ennemi, paf, tu l'assassines, tu le one-shot. Il n'y a même pas de combat, il n'y a rien. Bon. Beaucoup de mécaniques olé olé. Vous voyez ça, le magicien? On pourrait se dire c'est un magicien bleu, je sais pas quoi, si tu connais un peu le lore. Non, c'est un pecno comme tout le monde. C'est n'importe quel être humain, là. Paf! Oh, non, un pecno. Bon, bref. Du coup, il y avait ça. Les flèches enflammées, tu bandes ton arc comme ça. Tiens, est-ce que je tire une flèche empoisonnée ou une flèche enflammée? T'appuies sur ton bouton Y ou B de ta manette, là, parce que moi je jouais sur Xbox à l'époque. Hop, et hop, t'as une flèche enflammée qui part. Hop, t'as une flèche empoisonnée qui part. Hop,
T'as envoyé trois flèches comme si t'étais Legolas alors que t'es le dernier des pecnos du Gondor. Bref, etc, etc, etc. Du coup, niveau immersion, on n'y était pas trop. Et le jeu était plein de défauts quand même, niveau du gameplay et tout. Mais les fans du Seigneur des Anneaux, eh ben, en termes de jeu avec la licence Seigneur des Anneaux qui a été fait officiellement, eh ben, on n'a jamais eu mieux, hein, en termes de... T'incarnes un personnage et tu te balades dans les grandes batailles de la Terre du Milieu. Il n'y a pas eu mieux. Et pourtant, il n'a pas été très bon. Bref, du coup, le concept de ce jeu... Oh là, dis donc, Bigfoot et Oli, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi pas, mais bon. Le concept de ce jeu, il était formidable. La réalisation, un peu moins. Et il y a des gens qui ont lancé un projet de réimaginer Conquest Reimagined. Et... ils sont partis. Conquest Reimagined. Et alors là, la nostalgie pour ceux qui étaient là à l'époque, ils ont refait tout le menu, il est ultra stylé, avec le petit anneau qui pendouille sur Anduril et tout là. Très stylé. Calmez-vous, on ne va pas jouer à la version finie. Il n'y a pas tout ce que je viens de vous montrer dans le jeu de base, qu'il y avait dans le jeu de base. Il n'y a pas le Gondor, il n'y a pas les combats, il n'y a rien. On est sur la pré-alpha, alpha. Et c'est juste une démo technique qui montre les possibilités et qui est à but de trouver des nouveaux gens pour rejoindre le projet et qui est plus de monde qui travaille sur le projet. C'est mon humble avis. On a vu le trailer, on l'a vu en live. Là, on va react, on a accès à la truc, donc on y va, quoi. Les options, j'ai tout mis en ultra. On est parti. Vous voyez, rien que le menu est ultra stylé. Hein, j'ai tout mis en ultra, et ça se trouve, ça vous fout le lag, on verra. C'est parti, on découvre ensemble. Oh, déjà, les menus. Les menus. Il va peut-être pas y avoir une goutte de gameplay, hein. Ça va être moi qui va faire ZQSD, qui va me balader dans un bâtiment, quoi. Mais les menus. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live, installez-vous. Jamais, c'était cool, t'avais des escarmouches. La campagne du bien, la campagne du mal. Et de la coop. C'est vrai que la coop, par contre, pour le coup, je l'ai jamais faite, moi. J'ai toujours rêvé de la faire, je l'ai jamais faite. Mais, non, mais il faut... Non, mais il faut dire la vérité, Redfield. C'est la nostalgie qui parle, hein. C'est pas... Le jeu... Il est pas bon, il est pas bon. C'est juste que c'est Seigneur des Anneaux. Tu enlèves tout le Seigneur des Anneaux au jeu, et tu mets une autre licence, voire même pas de licence du tout. Et tu mets le même jeu. Le même jeu, t'enlèves tout ce qui est Seigneur des Anneaux. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est que le seul truc qui fasse que c'était un bon jeu à l'époque, c'est que, enfin, jeu que tout le monde jouait, beaucoup de gens jouaient et appréciaient, c'est que c'est Seigneur des Anneaux et c'est tout. Bref. Helm's Deep Prologue. Helm's Deep. Battle of the Homburg. Alors, donc, il y a trois niveaux. Et on est parti. Mais il y a quand même des trucs, hein. Oh, la qualité des assets et tout, c'est formidable. Mr. Dwight, bienvenue. Salut, avec combattants. Bienvenue à tous. Installez-vous. On est parti. Putain, mais ils travaillent l'audio et tout. Le musique dans le... Edoras, they had to leave everything behind. Putain, ils ont pris une actrice qui a la même voix que... Incroyable. Their possessions, even their fallen. Oh, c'est USD. C'est un jeu raciste. Ok. Ah mec, t'es en vie, les gars. The way to Helm's Deep can be covered by a skilled rider in half a day. T'es mort, mec. But they were ordinary people, not soldiers, and too many for just. Oh, la bannière du rang qui flotte, la pauvre. It's hard and exhausting. Ah lui, il est cané aussi, lui. Là, elle nous raconte que on est en train de fuir vers le gouffre de Helm, mais on s'est fait dégommer par les wargs, quoi. En gros. Je pense que c'est là où on en est. Les gars! T'es en vie, mec? Rien du tout, hein! Y'a pas moyen de récupérer la lance, hein? Je vais me battre, moi. Non, rien du tout. Y a... Pour l'instant, c'est ce que je vous ai dit. C'est ZQSD, quoi. Je mouille aussi, là. Non, mais là, il faut le dire, hein. C'est ultra stylé, hein. They were attacked by Saruman's treacherous forces. It was a short and brutal battle. Voilà, on nous raconte qu'on s'est fait casser le cul. Every missing spear will weaken what little strength they already had. One distinct soldier was tossed from their horse and fell unconscious. C'est magnifique. When he awoke, he was the only one still alive, alone and behind enemy lines.
J'étais le seul en vie. Some horses also survived. He still had this one chance to follow the others. They made it to the castle, certain that they would escape the enemy once again. C'est tellement stylé! Ah, je m'en fous que ce soit juste du ZQSD et que je bouge pas. Vous voyez, y a rien en termes de gameplay, c'est juste du show. Mais rien que ça! Non mais comme quoi, on n'a jamais eu un vrai jeu monté de... Enfin, putain, je vais y arriver. Seigneur des Anneaux, il y a un truc de fou à faire. Gouffre de Helm, trop classe. Bon alors voilà, apparemment j'ai réussi à m'échapper. Apparemment il y avait les 10 000 rocailles en face de moi, il n'y en a pas un qui m'a vu en train de les mater comme ça, et qui gueulait sur la campagne. Waouh! Ouais, ils sont là! Il n'y en a pas un qui m'a entendu apparemment, et j'ai réussi à arriver devant le Gouffre de Helm avant eux. Alors que j'étais à moitié crevé. Mais passons, passons. C'est vraiment stylé ce mode. Oh là, c'est pas Bannerlord, hein. C'est pas Bannerlord, calmez-vous, hein. Ça, c'est un mode Bannerlord. Non. C'est Unreal Engine, c'est un jeu différent. On n'est pas sur Bannerlord, pardon. Ouais, j'ai mis que c'était un live Bannerlord, je me suis trompé dans le titre et tout au début. On passe sur Bannerlord après. Non, c'est pas un mode, excusez-moi. Rien à voir. C'est un remaster, c'est un jeu complet fait sur Unreal Engine, ok? Unreal Engine. You are a survivor of the skirmish of Helm's Dyke. Go into the fortress and tell them that Isengard has been released. Je prends la place de Aragorn, quoi. Est-ce que par hasard, il voulait pas qu'on joue Aragorn? Et au final, on n'a pas joué Aragorn parce qu'ils avaient pas terminé le modèle d'Aragorn. Merci beaucoup pour l'abonnement. Captain Kignon, merci beaucoup. Shift to run, ok, je peux courir. Oh. Ah, vous voyez, c'est ultra stylé. Et toutes les... Là, j'ai l'impression d'être en terre du milieu comme... j'aurais toujours voulu être dans un jeu, quoi. Allez, on sprint. C'est moi! J'ai survécu, mec. Oh, touche C, c'est bon, passer en première personne. On va voir sa tête un peu. Wouah, combattant les modèles. Pour voir que c'est un projet indé, quoi. Hein. Oh, le petit pigeon. Petit pigeon, il veut sauter. Ne le dites pas à l'elfe. Le pigeon qui te regarde. Ne le dites pas à l'elfe. Non, stylé. On peut y aller ou pas, là? C'est par ici, c'est par cette porte-là, je crois. The door is locked. You need a key. Ah! A key, pardon. Il faut que je trouve la clé. C'est mon objectif de vie. Je veux la clé. Oh, leur modèle est incroyable. Le modèle de la forteresse. Putain, on peut se balader partout. Je suis pas du tout l'objectif. Moi, je me balade. Je suis en pure visiting, là. Just visiting. Je vais changer la catégorie du live. On va rentrer en just visiting. Oh, le mur! Oh! C'est magnifique! Par contre, vous voyez, en termes de nombre de troupes qu'il y a sur le champ de bataille ou quoi, enfin, de personnages, on n'est pas sur un Mountain Blade. Magnifique! Mais l'immersion va apporter les demi-troupes de Bannerlord, voilà, est-ce qu'on va y arriver là? J'aimerais bien. J'ai un organe visuel. Oui, par contre, l'organe visuel est là, hein. Très clairement. Il est présent. Regardez ça, là. Je me place là. Imaginez, il y a toute l'armée ennemie qui arrive. Tous les Uruk-hai. Je sais pas combien j'ai d'FPS, mais je crois que c'est pas stable. Hein. On est vraiment... Ils ont tout cranked up. Et moi, j'ai tout mis à fond aussi. Je peux pas choper le petit bouclier? J'ai pas regardé s'il y avait des secrets. Il fallait que je regarde s'il y avait des secrets. Je vais regarder. Attends, je veux juste me balader sur tout le mur là. Non mais je crois qu'il y a des missions et tout qui vont me faire me balader. Ah, il parlait, j'ai pas écouté. Ah, comment ça va les pecnos?
C'est pas comme ça qu'on fait la brasse. Et tu branles. Just look at them. Le mec il dit juste regardez. Regardez, bon Dieu. C'est trop stylé. Les orokaïs ne se tueront pas eux-mêmes. Faire si je me balade dans l'eau. Oh là là, les petits. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Quoi? Tu veux parler, mec? Vas-y, on parle. Tu crois pas qu'il y aurait une faille qui pourrait potentiellement être terrible pour le siège qui s'annonce? Juste à ma gauche? Juste ça, là. C'est pas un souci, mec? Non, aucune chance. Aucune chance. Le gouffre est impénétrable. But have you noticed that small drain? It's built into the wall to let the deeping stream flow through. Coming from the White Mountains, this little creek shaped the valley of the Deeping Coombe over thousands of years. The only thing keeping attackers from outside is the grid. We should be careful. Prescute, do you think this might be a weakness? Ah, bah voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. How can someone use this for advantage? If I was in command, I would block this hole immediately. The creek will find me. Ok. Ok, c'était le secret. le vieux monsieur qui dit si moi j'étais en charge, si c'est moi qui dirigeais, eh bien j'aurais caillassé le bordel. J'aurais mis des cailloux et j'aurais tout bloqué et on mourrait pas ce soir. Non mais très stylé. Ouah le. Non mais c'est beau hein. Y a pas à chier. On va remonter par là-bas. On ira à la salle du trône en dernier, je pense. Quoique. Non mais je suis sûr que j'aurai à revenir plus tard. Si je suis un petit peu toutes les missions et tout, je reviendrai plus tard. Les grottes. C'est vrai que je crois qu'il y a les grottes, on a vu dans le trailer la dernière fois. Ah, la première personne, c'est monstrueux. Oh, ça va être fermé là, c'est ça? Au niveau de la montée d'escalier, elle est un peu vénère. Quoi, comme ça, j'ai besoin d'une clé là? Comment ça? Qu'est-ce que tu me fais? Bon, on a besoin d'une clé. On a besoin des clés pour aller partout. Allez, on va à la salle du trône. J'arrête mes conneries. Si je trouve des petits secrets au passage, je les prends. Là, c'est la pré-release. C'est juste pour se faire une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Tout à fait. S'il y en a qui se demandent et tout, on est vraiment sur. Vraiment, ils montent les capacités, ils montrent ce qu'ils ont en stock, quoi. Ils montrent que c'est le début du projet, mais regardez, rejoignez-nous, ça va caillasser si vous venez nous aider, quoi. Beaucoup d'histoires de cailloux, hein, ce soir. Y'a pas des secrets, là? Y'a pas de... Pas un petit secret, là? J'ai pas... Oh bah, j'ai trouvé un secret, je crois. Non, mais c'est pas Mountain Blade 2, pardon, j'ai mis Mountain Blade 2, mais... Vas-y, je change le titre du live. Ah, YouTube, deux petites secondes. C'est bon, j'ai mis la catégorie de l'ancien jeu pour Twitch. Je lance pas non plus. Qu'est-ce que c'est, ça? Randolph? T'es déjà là? T'es déjà là? Ils ont voulu réécrire l'histoire? Il était dans la forteresse depuis le début, le salaud? Pourquoi il a attendu le dernier moment, là? Hein? Pour se pointer? Il pouvait se pointer aux lueurs du soir, hein, pas du lendemain, pas du matin. Ok, bah j'ai juste chopé le staff. Tu vois le Roy Rim avec le staff. Ah ah! Je suis un magicien! Faites place! Cette fois-ci, je l'ai récupéré, son putain de bâton, seigneur! Non mais c'est cool hein, d'avoir tous les pégus là qui font leur vie, qui galèrent un peu. Pas stylé. Allez, on va directement à la salle du trône, j'arrête de me balader. Même si moi j'ai envie de tout voir. Hein. Ah, ça pionce là, dis donc. Ça va frérot? Il pionce les yeux, hein, dis donc, c'est... Impressionnant. Tout le monde chiale, bah chialez. Et oui, mec, j'ai survécu. The Survivor. Oh, attendez, je vais juste voir là-bas. Pardon, on va y aller à la salle du trône, hein, mais... Hein. Ah bon, ils ont fermé ici?
En soi, c'est logique que ce soit enfermé ici. Greetings. Coucou, coucou monsieur. Oh là là. Oh, y a quelque chose quand même, hein. C'est mon frère jumeau à côté, mais y a quelque chose, hein. Allez, on y va. C'est peut-être le mec de la salle du trou qui va me donner les clés. Oh, à chaque fois je veux passer par là. Je connais la map, mais je connais pas la map. So it begins. Ah, ce sera pour plus tard, ça. Ouais, j'ai vécu l'enfer, mec. C'était terrible. Et donc, la salle du trône. Alors, on est bourré, mec. This is ill news indeed, if the forces of Isengard will be upon us by nightfall. So it is true. I didn't believe this ranger, but... from one of our best men. Aragorn est déjà arrivé pour donner l'info, visiblement. King Théoden is currently inspecting the fortress. He gave me the order to take care of everything else. We have lots of work to do. Do you feel ready for it? Ok. Toujours... Non mais par contre... C'est toujours ultra stylé, hein, les petites, petits trucs au sol comme ça, là, ça me rappelle des souvenirs de BFME ou même, je sais même pas si... Ouais, il devait y en avoir aussi dans l'âge des conquêtes, je pense qu'ils ont juste repris l'idée de l'âge des conquêtes, l'ancien jeu. Mais les petites zones au sol comme ça avec l'anneau, machin, c'est incroyable. No, I need some rest. Yes, of course. Allez, je vais t'aider, mec. First, go to the armory and pick up all the ammunition you can. We have to refill the barrels at the inner wall. When you are finished, go to the storage master and help him to build up a refuge for the civilians inside the caves. D'accord. Then go to Layard. He has been asking me for a while to send someone to inspect the horn. Oh, and putain, mais il y a un milliard de quêtes. Ogiel told me that he needs someone for a special task. I'm not sure what it is. Tasque spéciale. But you are the most noble men of Rohan. Find him. And tell him Captain Garwine sent you to accomplish the task. Très bien, Capitaine, je leur dirai. Et donc, il faut aller récupérer les munitions, aider plein de personnages différents. Et voilà, est-ce que... J'ai vu qu'on pouvait interagir avec le monsieur, là, et je l'ai entendu dans le trailer, donc... On ira après. Ah, et ça, c'est ce qu'on a vu dans le trailer. Les dagues de Legolas. Petit secret en plus, là. Hop. En fait, notre personnage, ce n'est pas un héroïme, c'est un voleur. C'est Bilbon Sacquet. C'est le cambrioleur. Allez, vas-y, on va bombarder. Hein. Hop là. J'ai tout récupéré, là. Pas mal, hein. Plutôt efficace, le mec. Hein. 4 lances sur le dos. Ça tient par la magie du je sais pas quoi. Mais pourquoi pas. J'ai envie de chercher tous les... Attendez. C'est là les caves? Non. Oh. Ah ouais, non mais ils ont tout fait. C'est trop bien! J'ai jamais vu le gouffre de Helm avec toutes les salles et tout. Ils ont vraiment tout fait. C'est incroyable. Genre là, dans notre map du gouffre de Helm à nous, il y a une grande porte en bois terminée. C'est fini, ok? C'est Grima. Non, c'est pas Grima. Ah, Grima, pardon, j'ai confondu. Je suis Grima. Camouflé avec une barbe. Peut-être. Pourquoi pas? Bon alors il faut aller où pour Ah ok on voit les flèches. Il faut remonter sur le mur. Par là-bas c'est les caves. Ah ouais je vois c'est la cave par là-bas. 100% va y avoir un truc à faire avec les caves donc dans la cave donc ouais. On va suivre les quêtes. Je suis sûr que les caves vont nous. Oui. Des bisous. Y'a pas moyen de monter par ici, y'a pas une échelle ou. Non pas d'échelle. Allez hop. On va mettre les munitions et tout. Ligne de Ska. Ska, merci beaucoup pour le raid. Merci à toi. Allez hop. Et là, pas encore une magie sordide de Saruman. Hein. J'ai placé des flèches alors que j'en avais pas sur moi. Mais c'est très bien. Petit bois de chauffage. Y a de l'attention au détail quand même. Hein. On n'a pas un brasero qui est là tout seul. Non. Il y a le bois pour l'alimenter juste à côté. Même d'ailleurs, il est tellement à côté. Qui pourrait même s'enflammer tellement il est proche. Tellement
Tellement la flamme, elle titille presque le bois. Le stock de bois pourrait s'enflammer. Là, ton sous du détail. Hop là, les lances. Allez, on va faire ça en sprintant. Let's go. Oh. C'est quand même sacrément stylé. C'est par où? Je sais plus. Ah, j'ai fait tout le mur. Il y en a un en bas. Et j'ai pas vu... Ah, il y en a un là-haut. Ok. On va aller en haut. C'est un vrai remake. Je viens de joindre. Alors oui, là, on est vraiment en train de parcourir un remake. C'est vraiment l'alpha de l'alpha de l'alpha. Il y a rien, ok. C'est juste moi qui me balade avec ZQSD et qui appuie sur E sur ces des éléments interactibles. Vous voyez interactibles. Mais c'est très joli et ça prouve que le projet il en veut et que du coup ça va permettre à des gens de le rejoindre pour se donner et tout quoi. Cette démo fait quelle taille à télécharger? Aucune idée, j'ai pas regardé, je suis désolé, je sais pas. Si vous voulez la télécharger c'est conquestreimagine.com. Vous allez trouver le lien. Je pense qu'ils ont fixé le problème depuis la dernière fois. Et voilà, hop. C'est bon, on a tout mis. Et maintenant, talk to the storage master. Ok, c'est par là-bas. On y va. Y'a pas des secrets, là? Non, j'ai récupéré un secret juste au-dessus. J'ai commencé à connaître la forteresse, là, je speedrun. À chaque fois que je vais passer devant lui, il va s'abaisser, lui. C'est cool, hein. Très gentil. Bravo, monsieur. Vous êtes très beau, très belle barbe. Help us build up a last defense inside the caves. Very good. The tunnels are very small, so if they somehow manage to break through, we will deliver them a last fight. Anyway, do you see those items over there? Take them and bring them down to the Great Dripstone Cave. I will send my men when you are there. Si on est dans la merde, on ira faire un dernier last stand dans les caves. Donc oh putain, j'ai embarqué la moitié de l'immobilier de la baraque. Mais quel cambrioleur formidable cet homme. Ah, c'est un autre personnage, c'est une autre quête. Maybe you can help me with that. Non, j'ai pas envie. Ago, that elf made me deliver this box to the wall. But it's empty. Alors. What does he need with an empty box? Ils ont fait une blague. I fear I have fallen prey to a jest from Corin. Most unamusing. C'est rigolo. Must have conspired against me. C'est un mec qui se dit qui. Can you help me deliver him a message? Et ça s'arrête comme ça? Il faut délivrer un message à Legolas, c'est ça? Thank you. Last time I saw him sitting upstairs, close to the grate on the wall. I'm sure he's waiting to make me look stupid when I deliver the box. Ah non, ça doit être un autre gars du rang. En gros, Legolas, il a dit qu'il fallait ramener un marchepied au mur. Et donc le monsieur, il veut, bah c'est une boîte le marchepied quoi. Et donc lui, Legolas lui a dit emmène cette boîte au mur, c'est très important. Et lui, il dit, mais y'a rien dans la boîte, donc il s'est foutu de ma gueule, c'est... On conspire contre moi, qu'est-ce qui se passe, il veut se foutre de ma gueule. Et du coup, il comprend pas. Et c'est une ref. Pour ceux qui n'ont pas compris, et qui n'ont pas vu le film. C'est une ref à une blague que Legolas fait à Gimli. Marche-pied. Trop rigolo. Ils ont de l'humour. Bon alors, les grottes, là. Oh, ça chante et tout. Ça va, hein? Qui sur cette chaîne n'a pas vu le film? Pas grand monde, je pense. C'est un bon jeu, hélas. Fils de Hama, il y a toujours de l'espoir. Allez, on y va. Alette, ah non, pardon, pas hélas, je comprenais pas. Allez, fils de Hama. Tout à fait. Il y a encore de l'espoir. Waouh, c'est magnifique. T'as pas envie de te les prendre sur la gueule par contre, les stalactites. Voilà, donc ici.
À la base, devait y avoir des scènes. Alors, on voit quelques scènes dans les grottes, dans le film, mais devait y avoir plus. Genre, quand les Uruk-hai ont pénétré dans la forteresse, normalement, y a une scène coupée, qui a été coupée au montage, où Eowyn défend les gens qui fuient dans les grottes, et elle reste en arrière et elle désingue des orques comme ça. Et genre en mode « Vas-y, partez devant, je vous suis !» Et elle part en sacrifice, quoi. Et genre, elle désingue les orques, quoi. Et bon, j'ai pas plus d'informations que ça. Mais ça a été coupé au montage du gouffre de Helm. Et aussi, gros truc immense qui a été coupé du gouffre de Helm, c'est que Arwen, la fameuse d'Aragorn, elle est là pendant toute la bataille, normalement. À la base, ils avaient prévu qu'elle soit là toute la bataille. Et que quand Aragorn, il charge, il fait contre-charger les elfes dans la brèche de la forteresse, à la base, c'est pas parce que Gimli est tombé, mais c'est parce que Arwen est tombé. J'imagine que ça le rendait un peu plus... Ouais, non, quoique c'est pareil au final. Il envoie tout le monde charger pour sauver un pote. Que ce soit sa fameuse ou sa meuf ou un pote, c'est la même chose, bref. Et du coup, elle est là pendant toute la bataille. Et sur certains plans, il me semble, notamment le plan de retraite dans la forteresse, lorsqu'on voit un plan de la forteresse en vue du dessus comme ça, et qu'on entend retreat, enfin retraite, ils ont pénétré dans le groove, retraite. Bon bref, tout le monde se casse. Et ben quand on regarde, si vous faites pause sur le plan en vue du dessus, vous voyez Arwen qui est là, qui pop de nulle part et qui est en train de se replier comme ça. Voilà, c'est tout. Petite anecdote. Peut-être que ce sera utilisé pour au bastion, ouais c'est ça. Peut-être que ce sera utilisé pour une version étendue. Il y avait une histoire comme quoi Peter Jackson, dans des commentaries des films qui sont sortis il y a vraiment 25 ans, genre, il a dit pour l'anniversaire des 25 ans, on fera une version finale. Et on arrive proche des 25 ans où on les a déjà passés, je sais pas quoi. Non, on y arrive, on est en 2022, les films sont sortis en 2000, 2001, machin truc. On arrive aux 25 ans, donc est-ce que pour les 25 ans, Peter Jackson va nous faire une version de fou? Parce qu'ils ont encore plein de trucs qu'ils n'ont pas utilisé, vous voyez. Alors après, est-ce que ça vaut le coup et ça va pas juste être nul à regarder en tant que fan du Seigneur des Anneaux? Moi j'aimerais bien voir ça, hein, très clairement. Il y a notamment des scènes, bah je sais pas, coupez-vous les oreilles 10 minutes, 10 secondes si vous voulez pas vous faire spoiler d'une éventuelle version longue, machin. Bon. Bref, 10 secondes. Je vais vous faire ça quand vous pouvez revenir, ok? Ok, je vous fais ça quand vous pouvez revenir. Il y a genre le mariage entre Faramir et Eowyn. À la fin, on voit Legolas retourner. À la toute fin des films, hein, on voit Legolas retourner dans la forêt noire. On voit Gimli après qui mine. Bah justement, dans ses grottes. On voit Gimli qui mine dans ses grottes à la fin et qui cherche des trucs rares et tout. Bref, il y a des trucs comme ça, quoi. Et il y a plein de scènes comme ça. Et il y a notamment une scène aussi où tu vois Arwen et Aragorn quand ils sont jeunes et les premiers moments d'amour, machin. Bref, il y a plein de scènes comme ça qui sont pas utilisées et qui pourraient partir dans une version ultra longue, machin. Moi, j'aimerais pas une version longue, personnellement. J'aimerais pas une version ultra longue. J'aimerais que tous les films soient refaits en mode épisode et ça fait une série. Ça fait une série avec les épisodes. Voilà, c'est tout. Allez, on est parti. Et bon, c'est bon, ceux qui voulaient pas entendre, c'est bon. C'est bon. Et voilà, hop. Toc tous les odds. C'est bon, on a tout mis. Ils vont faire une petite défense en profondeur. Allez-y, faites... Pourquoi ils frappent sur un coffre? Ils veulent ouvrir, putain. Il y a souvent sur le coffre. Thanks a lot for helping us. We finally have a safe place for our people. These are the Glittering Caves, an immense and beautiful system reaching down deep into the White Mountains for many miles. There's only one known path out, other than the entrance through the castle. But that won't be an option for us. Terrain is very rough, and the path is narrow. We won't come far. So we will stay here and hope for our best. Il n'y a pas d'autre sortie, apparemment. Que vers le château, quoi. Ok, j'ai trouvé le secret. Qui a été rajouté lorsque j'ai placé. Parce que c'était 19 secrets. Et ça a été rajouté. Attends, il dit qu'il n'y a pas de chemin, mais moi j'ai envie d'aller voir. Et parce qu'il y a un chemin. Il y a un chemin pour sortir par la montagne. Très peu survivront. Et bah moi je survivrai, je me casse.
J'y vais. Bonne chance, les gars. Good luck. Good luck. Quoi? Collect quoi? The One Ring. Quoi? L'anneau unique. J'ai trouvé l'unique. Bon. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il y avait Gollum. Il a dit My precious. Oh, le fan service. Oh, je suis trop content. Je me déplace avec ZQSD dans une scène. Et c'est incroyable. Alors qu'il se passe rien. En vrai. Et c'est là que c'est beau. Enfin, il y a des jeux où le travail des artistes, des modeleurs 3D, des ceux qui travaillent sur le jeu, quoi, ben, il n'est pas forcément mis en lumière et tout. Il y a vraiment des endroits où vous passez dans des jeux AAA, par exemple, où l'endroit, il est magnifique, et vous n'en avez rien à foutre, vous regardez même pas en l'air, alors qu'au-dessus de vous, vous avez une fresque incroyable. C'est voilà. C'est Picasso qui a fait une fresque, quoi. Il faisait pas des fresques. Bon, Leonardo da Vinci, il faisait des fresques, lui, sur les plafonds, non? Un peu. Bon, Leonardo, il a fait ça, quoi, peu importe, imaginez les enfants, s'il le faisait pas. Et ben voilà, c'est arrivé. Truc de Leonardo, bah non, toi tu vas juste déplacer tout droit, il y a 2-3 ennemis, tu les regardes, tu les tabasses et c'est terminé. Et là, on met ça, mais là on est à l'extrême inverse, à son apogée, mais ça me plaît. C'est beaucoup strict pour le Prime. Et je trouve que, voilà, je voulais en venir à ça. Je trouve que dans Bannerlord, dans Mountain Blade de Bannerlord, notamment avec les petits modes comme le mode Scatter Around qui vous permet de placer les archers qu'on a développés avec la force du combattant, tout ça, bah on fait plus honneur aux ceux qui développent les maps et tout, et qui font des assets 3D de fou. Oh, Enduril! Oh, Enduril! Hop là, Enduril. On aurait pu la regarder un petit peu avant que je la récupère et qu'on ait juste un pop-up de secret. j'ai été ça happé par le truc. Le truc a bien joué pour moi. Bref, j'aurais dû regarder en première personne à quel point c'était beau. Tant pis. Juste, je termine là-dessus. Avec le mode Scatterhand, par exemple, là, dans cette grotte incroyable, où s'il n'y avait pas de Scatterhand, imaginons, et ben vous serez juste passé tout droit et vous serez juste battu avec vos troupes. Avec le mode Scatterhand, où vous placez vos archers comme vous voulez et tout, bah peut-être que vous allez placer un archer derrière chaque stalagmite, vous voyez. Bon, ils sont un peu trop proches du mur, mais vous voyez. Et vous allez mettre derrière les caisses qui ont été placées par un mec qui a mis des caisses, vous voyez. Alors que les caisses, vous en avez rien à foutre d'habitude. Bah là, vous pouvez mettre des archers derrière qui se mettent à couvert, vous voyez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je trouve qu'il y a vraiment ça, ce truc dans Mountain Blade de Bannerlord, où vous jouez et en même temps, vous faites honneur à tout le travail fait par les artistes et tout. Contrairement à un Total War où les mecs qui ont fait les armures, bon bah les joueurs, ils vont zoomer une fois sur l'armure et vont faire « Ouais, c'est beau ». Ils vont plus jamais zoomer et après, ils vont regarder en vue du dessus le combat et cliquer partout pour faire des kills. Et tu revois plus jamais l'armure que le mec il a passé 100 heures à développer sur Blender, vous voyez. Ou un logiciel plus professionnel, je connais pas. Dans Bannerlord, tu vois tout en première personne, les combats, l'immensité du territoire, tout. Ah, il m'a dit nique-toi. Arrête, je veux chanter pour mes derniers moments. Ça me fait presque penser aux elfes. C'est très joli, qu'est-ce que ça veut dire? Donc mon mec il comprend pas, pourquoi y a pas le focus? Bref. Ça me fait presque penser, on va faire le mec qui connaît. Ce serait pas de l'elfique ça par hasard. Je connais de ma grande tante, je sais pas parler mais c'est dans mes veines. Oh, il m'a envoyé valser. Il m'a dit c'est une mélodie personnelle, Nick. En même temps, je lui ai pas demandé ce que ça voulait dire. J'ai voulu flex. J'ai juste flex. Oui, ce serait pas de l'elfique. Ouais, non, bah il m'a pas dit ce que ça voulait dire. En tout cas, c'est stylé. Allez, on continue, on y va. Là, on va essayer de bourrer les secrets et tout. Très joli, les grottes. Au revoir. On espérait y revenir lorsque le projet sera abouti. Même si c'est pas sûr que le projet arrive au bout. Hein. Mais on croise les doigts pour qu'ils y arrivent. Moi, je... De tout cœur, je veux qu'ils y arrivent. Là-haut, on a fait ce qu'il fallait faire. On va aller voir le secret avec... en bas. C'est parti. À l'anneau. Corromps-le. C'est plus moi qui vais me faire corrompre en tant qu'humain. Oh, je saute. Oh, il y a un saut combattant. Attendez, on va faire... On va aller sauter sur le mur. Le mur du gouffre. Préparez-vous. On va tous mourir ce soir. Et tu vois un guignolo comme ça sur le mur. Wouh! Wouh! Je veux profiter de mes derniers instants! Je veux vivre! Allez, c'est bon.
On y va? En bas. Il faut aller voir le monsieur qui se foutait de la gueule de, du gars avec la boîte vide, apparemment. Je sais pas, je crois que c'est ça, hein. What? No, no. I have nothing to do with this. This old fool has lost his mind on the run from the Doras. Il est devenu fou, le vieux. J'ai rien fait, moi. I made one or two jokes in the past, but I certainly would not bother that elf. Je lui ai fait deux trois blagues par l'époque, mais rien à voir avec l'histoire de la boîte et de l'elfe, quoi. Non, non. Restez loin de ce mec. Il est chelou. Il est chelou. Il comprend rien de sa vie. Il est chelou. Ok, ok. Bon, alors comment faire pour terminer le truc, parce que je vais peut-être pas faire tous les secrets et tout, mais il y a une dernière phase où on fait la bataille du gouffre de l'âme apparemment. Donc on va essayer de rusher à partir de maintenant. Je sais plus du coup ce qu'on m'avait dit et tout sur qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ah ouais, mais ça me fait les quêtes l'une après l'autre, donc oh, l'oiseau qui s'envole. Ah, j'avais un truc à collecte, je l'avais même pas vu. La dague Dragorn. Putain, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait en petit item de héros et tout. C'est ultra stylé. On va aller voir au bout du mur, tiens. Est-ce qu'il y a les... Alors là, la ref, personne va la voir. Est-ce qu'il y a les petits picots pour pousser les échelles, là, hein? Les petits trucs en bois. On peut pas pousser les échelles, là? Non. Oh, c'est stylé, hein. Ah non, j'étais en plan stylé, là. J'étais... Allez, hop. On va passer par en bas. Ah non, mais on peut pas monter là-haut. Bon, bah, on va remonter, là. C'est parti. C'est pas la dague d'Aragorn, c'est la dague de Galadriel donnée au Hobbit quand il... partent dans les terres des elfes. Je me souviens plus du nom. Non mais les copyrights et tout. Ah mais de toute façon on est déjà baisé pour les copyrights au niveau de cette VOD. 42 minutes qu'on fait ça. Il faut bombarder la combattant. Il faut y aller là, hein. Faut faire un peu de Monteblade ce soir. Oh là, y en a qui m'a bloqué, non? Je vois rien. Une petite torche ne sera pas de refus. Pour moi, c'est vraiment la dague que Aragorn a, quoi. Mais peut-être que vous avez raison. Je sais pas. Que m'a dit, tu vois. Finally, I am assuming Garwain sent you for the task. This is the Great Horn. The Horn of Helmhammerhand. The whole tower is built around. C'est le grand corps. The stone of the mountain is a part of it. And when it sounds in the deep, even the boldest of our foes will feel fear in their hearts. C'est stylé. It's the last breath of the fortress, until victory or death. But it has been a long time since the horn was used, and the tubes could be blocked. I want you to go up there and take a look at it. When you are ready, take all the air in your lungs to give me a powerful demonstration. Ouais, c'est la dague qu'Aragorn utilise contre le rook dans la forêt. Ouais, moi je pense que c'est plutôt ça, hein. C'est la dague avec laquelle il tue Lurds. Genre il l'envoie là. Non. Non, Lurds lui renvoie la dague et lui il la renvoie avec son épée. Mais c'est cette dague là, hein. Et tu la vois en gros plan dans le film. Non, je pense moi c'est celle-là. Bon, on va aller souffler, combattant. On va aller souffler. J'espère qu'il va pas faire le prout que moi je fais d'habitude dans mon corps, hein. On en a déjà parlé quand on a react au trailer, mais enfin au gameplay. Hein. Oh. C'est stylé, hein. Un petit secret, là. Petit secret. Oh, on arrive dans la salle du trône. Ah ouais, on arrive dans la salle du trône. Stylé. Quelque chose, là. Y a pas de clé. Oh là là, la caméra qui fait nimp. Y a pas de clé. Ah là, ça nous passe automatiquement en première personne parce que là c'est trop serré en fait. J'ai compris. J'ai pas le choix, combattant.
Désolé si j'ai Arbotron, mais je sprint. Fermez les yeux. On monte tout en haut de la tour. On arrive en haut. Oh, les effets de lumière et tout. Putain, ça donne la gerbe là. Very bad creep, merci. Creeps, merci pour le prime. Ah, on y est. So you're here to test the hall. You don't have the lungs for it. Vous êtes là pour tester le horn. Il se fout de ma gueule. Non mais laisse-moi la vue, mec. Ils l'ont mis là juste pour bloquer la vue ou quoi? J'ai rien à foutre, je monte sur le truc. Ah, c'est parce qu'on voit un peu les défauts de la map. Je vois. On voit un peu que c'est le bord de la map là-bas. Non mais c'est stylé quand même. Hein. Y'a pas à chier. Allez combattants, on souffle. Il va faire ça. 100%. C'est garanti, il va faire ça. Ah, j'ai fait n'importe quoi, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Oh, j'y arrive mieux que... Voilà, il va faire un truc comme ça, 100%. Oh, tricheur! Non, il triche, 100%. Moi aussi, je peux le faire! Coupé. On reprend. Moi aussi, je peux le faire! Pour le roi, pardon. Non mais j'y arrive toujours la deuxième fois, mais la première j'y arrive pas. Et c'est vraiment ridicule as fuck. Les voisins en PLS, mais y a pas de voisins, je vous dis à chaque fois. Assurez-vous. Bon, il a pas bougé lui. Moi je m'attendais à ce qu'il bouge un petit peu et qu'il nous permette de voir un petit peu la vue. Il a pas, il veut pas. Mais stylé les petits trous là. Bah là du coup on peut voir un peu la vue quoi. Alors vraiment pas mal. Y'a pas à dire, hein. C'est beau. Oh, j'ai chuté. Oh, pardon, fermez les yeux, ça va gerber fort. On y va. Faut sérieusement faire une commande voisin. J'avoue. Théoden qui débarque. C'est qui le con qui a soufflé, bordel? Exactement. Allez hop là, je saute. Le Yamakasi du gouffre de Helm. C'est moi. This task is very important. You may have already seen it. The men are very frightened. There was not much hope for the people of Rohan since Isengard started attacking our borders. These are very dark times. C'est la merde, on va tous crever. Regardez la statue. An inspiration for our men to show their strength. Ouais, ça nous inspire, c'est... Aman, quoi. Go and talk to the soldiers. They need some inspiration from a true noble like you. Ok, ils ont besoin de... Il faut que je parle aux soldats, quoi. Il faut leur donner du peps. On va donner du peps aux soldats. Et vous avez le cul ce soir de la guerre. Tu vas pas faire ta fiotte, hein. Did you hear of my brother Baldur? Hein? Or maybe his horse. Its name is Hostifer. He rode with Aemir's men. I've not heard of him since he left Edoras. Ah, ton frérot, il est décédé, frérot, mec, hein. Don't worry, he's fighting with Eomer. He will return. On va lui donner de l'espoir. Allez. Strong words from a strong man. I will continue to fight until we are reunited. Des mots forts d'un homme fort. Il m'a tout de suite cerné, ce monsieur. Il a tout de suite compris. Ça va, l'alcoolique? Tu te sens bien? Lady Eowyn. T'as pas l'impression que t'en rôles pas une? I did not recognize you with your new beard. Are you sure you don't have any dwarven ancestors? Je ne t'ai pas reconnu avec ta barbe
T'es sûr que t'as pas des ancêtres Des ancêtres nains, par hasard? Are beautiful, like the stars in the sky. Like the Mirrors riding through. Tu es magnifique comme les étoiles dans le ciel. Let me take another drink. Laisse-moi me boire la gueule, mec. Laisse-moi. Je voulais pas t'insulter de nain, mais... Laisse-moi me boire la gueule, mec. It's time to talk about our future together. Il est temps de parler de notre futur ensemble, mec. Would you like to take this sign of my love? Est-ce que t'es chaud pour qu'on devienne qu'on se marie quoi? Non, je sais pas ce qu'il a dit. Est-ce que t'es chaud pour accepter mon amour? Take his door, okay? Leave his guy alone. Donne-moi la clé, mec. That's great news. That's great news. Ah bah il m'a donné la clé pour les portes. I will tell everyone Lady Eowyn finally accepted my proposal. Il est trop con. Il m'a genre proposé ma main. Il m'a vraiment proposé en mariage du coup. Il y avait pas d'animation, mais c'est genre il me tendait la clé comme ça. Hey, tu veux m'épouser? Bon, je prends la clé pour aller ouvrir la porte. Il a dit oui. Ça y est, il se met à chanter et tout. Tiens, on va passer par là et on va ouvrir la porte qu'il y avait en bas. Il me semble qu'il y a une porte, non? Je sais plus. Je peux maintenant ouvrir les portes grâce à la clé. Je suis pas passé par là. Ça mène où ça? Ça mène sur le côté de le... Ah, le trône, ok. Ça mène au trône, donc on s'en fout. Hop, on va passer par en bas. Et on va essayer de trouver la porte fermée. S'il y en a une. Non, là ça mène à la grotte. Il y avait pas de porte fermée du côté de la grotte. Non, pas de porte fermée ici, j'ai dit. Il y en avait une... À l'endroit du saut. Allez, on y va. On parle d'abord au personnage. C'est le maître des clés, exactement. L'autre, il s'est encore... J'ai entendu la voix de l'autre. Il s'est encore incliné en disant « Vous êtes une inspiration, monsieur. » C'est la troisième fois que je passe devant lui. Fighting other men. What difference does it make if we cannot live in peace? My kin fell at the hands of our own people. The only thing I can do now to regain their honor is slay some Uruks. C'est terrible, quand je batte contre des hommes ou contre des Urukai. C'est la merde, c'est la même merde. Toute ma famille est morte. Les hommes du Rohan sont maintenant votre famille. Ah, ils mettent des refs. Les références, ils y vont, hein, ils se font plaisir. This is no rabble of mindless orcs. Their armor is thick and their shield broad. Leur armure est épaisse. Et alors, je sais plus c'est quoi les phrases en français. Mais en gros, c'est là, ça c'est la réplique exacte de Gimli à cet endroit exact qui dit à Théoden « Ce ne sont pas de simples orques, ce sont des Uruk-hai. Ils sont casse-burnes as fuck. » Bref. Alright. I will defend the men of Rohan with my life. As long as the last Rohirrim lives, our people have a future. Ouais. Jusqu'à la mort, les Rohirrim, c'est ta famille. C'est parti. Press to unlock. Ah. Envole-toi, petit piaf. Envole-toi. Oh, ne le dites pas à l'elfe. Parfait. Je vais sauter. Oh, ça marche. Merci à tous. Une performance extraordinaire. Merci à tous. Abonnez-vous sur YouTube, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, merci. N'hésitez pas à mettre une note sur ce saut improvisé. Une note, je demande une note. Ils ont ajouté la fonction saut seulement pour ça. Par la barbe. Du coup, tu peux mourir. Ah, je saute au milieu, genre. On conclura par ça, combattant. On conclura par le saut au milieu. Je peux descendre là, genre. On m'a dit Amakasi. J'ai l'impression. On y va? Allez, on y va pour voir. Vite fait. Juste pour voir. Non, y'a rien du tout. Évidemment. Oh là là. Tu vois des angles que tu n'as jamais vus. C'est incroyable. Yamakasi. Et alors que pendant toute l'armée Uruk-hai, il aurait pu passer par là. Ils se sont emmerdés à se... Voilà.
Alors que toute l'armée Oroka aurait pu faire ça pour pénétrer dans la forteresse, ils ont voulu enfoncer la porte. T'es con, hein? Vous ne dédez rien à l'elfe. Non, vraiment très stylé. Allez, on se le refait pour le plaisir. Non, mais je suis sûr que je vais pas mourir. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Ok, il n'y a pas de dégâts de chute. Voilà, j'avais dit. Voilà, c'est fait. On va peut-être aller voir juste s'il n'y a pas un petit secret au niveau du trou, là. Hein? Allez, on y va. De toute façon, on est lancé, on y va. Peut-être que ça saute pas loin, un orc, c'est vrai. C'est des Zulukai. Redoutable sur deux côtes de distance. On fait des mix un petit peu. Je vous fais des remix. Appelez-moi David Guetta. C'est mon job. Hein. Très jolie cette flotte là. Oh là là. On attend toujours l'autre qui. Ça m'a fait peur les piafs. On attend toujours l'autre qui gueule pour entraîner les recrues de l'autre côté. Alors. Bien que ce soit magnifique, et ça je vous l'ai dit lors du quand on a découvert le trailer du truc et tout, enfin la vidéo qui démontrait cette démo. Depuis que le profiteur, un mappeur professionnel qui fait des maps sur Mountain Blade de Bannerlord pour le coup, bénévolement bien sûr, c'est un modeur, mais il fait ça, c'est son métier quoi de faire des maps et pour les jeux vidéo et tout. Depuis qu'il m'a dit ça, c'est vrai, c'est que bah... On voit bien que c'est un design de 2000 quoi, enfin, genre là c'est du caillou, une forteresse de caillou, voilà, pas très réaliste, vous voyez en termes de direction artistique on est vraiment sur du caillou quoi, c'est un peu léger, mais moi je suis un grand fan et je kiffe. Oh quoi que non, mais c'est pas si mal en fait, ça peut très bien être une zone désertique de caillou quoi. Qui rend pas mal. Hein. Non, mais ça rend pas mal au final. J'ai rien dit. Non, j'aime bien. Voilà. Ma passion de Mountain Blade. La réflexe, un streamer Mountain Blade. Hein. Ma passion, c'est un Zano et passer par-dessus. J'ai rien dit. C'est magnifique. The mid of Rohan did flee to their last stand in Helm's Deep again. No horses, just bare stone. Why can't we go out and fight? Better an honorable death in battle than slowly rotting behind these walls without any help. Alors lui, il est carrément à l'opposé de tout le monde. Il est en mode « Mec, go, on bourre dehors et on se sacrifie. Go, on se suicide tous contre l'armée ennemie plutôt que d'attendre derrière les murs et pas en branler une, quoi. The walls of Helm's Deep have never been breached. » À chaque fois, il y a des refs aux répliques des personnages. « Why not ask Gandalf for help ?» Les deux phrases sont des refs. Il y en a une. C'est Théoden qui l'a dit, l'autre, c'est une ref marrante. Pourquoi ne pas demander de l'aide au Gondor? Alors qu'on est à l'endroit exact où dans le film il dit... Où était le Gondor? Quand on s'est fait encercler et qu'on s'est fait baiser, où était le Gondor? Bref. Très sympa. À la recherche des références quand même. À la recherche du fan service. Le mur n'a jamais été... Bien sûr. C'est quand même une honte pour tout cavalier qui se respecte. C'est vrai, mais derrière ces murs, nous survivrons. Dans ce genre-là, qu'on reconnaît les vrais combattants. Ils ont toutes les refs. Ah bien sûr. Je les vois encore. Mes camarades. Ils sont crevés. Ah, il y en avait partout. Il y en avait des petits bouts sur moi, mes copains. Ils sont morts. Mes copains. Adrian. Who are we in the face of the Uruk Horde? Qui sommes-nous? Ouais, bon, il pleure ses copains qui sont morts déchiquetés devant lui. C'est Rambo, quoi, c'est Rambo. Il y en avait partout, ils étaient en lambeau partout. Et je trouvais plus les échelles. Ah, ouais, c'est Edwin Orr, elle est pas mal. J'avais oublié cette phrase. Je trouvais plus ses jambes, elles sont où ses jambes?
Bien joué, bien joué. Ma femme m'a dit que j'ai des pieds de hobbit. Ah, courage, on est ensemble, on est ensemble. We are the men of the West. If we stand together, we will weather the... We will weather this steed. This tide and see the morning. We will pay back their barbarism tenfold, brother. There will be many Uruks at our gates for you to slake your thirsty for vengeance. Alors, comme il cherche pas la revanche et qu'il est juste désespéré, nous sommes les hommes du Gondor. Nous, ce soir, nous verrons le matin. Ah non, il est pas d'accord. Ah, il a pas aimé. Ah non, j'ai raté. Il fallait lui dire qu'il fallait sa vengeance. Ah, j'ai mal écouté ce qu'il a dit. Pour moi, j'ai pas compris qu'il avait... qu'il avait envie de revanche. J'ai cru qu'il était juste en mode... Il y en avait partout, il y avait plus ses jambes. Bon, j'ai cru qu'il était juste en mode désespéré. Du coup, j'étais en mode... la gloire, les hommes de l'Ouest, on va tenir comme on a toujours tenu. Bon bah, tant pis, c'est perdu. J'ai raté. Ouh, 3 sinoscopes. Ah, y'a moyen ou pas? Non, c'est compliqué. C'est compliqué, il suit pas dans le... Dans la chute, il suit pas. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis prêt pour la nuit, mec. Ah, bon. On a fait le tour combattant. Non, il restait des... Non, j'ai besoin de plus de temps. J'ai juste envie de visiter les endroits avec les clés. Il y avait trois endroits où il y avait une porte qu'on n'a pas pu ouvrir, je crois. Et j'ai envie d'aller voir. Il y avait l'endroit pour sauter. Ne dites pas à l'elfe. Il y avait là-haut. Et elle est où, la troisième porte? À la base de la tour, non? Je crois. Je suis pas sûr. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous vous rappelez? Sobra et Pharmacie. Pour le fou. Avec ce bref. Voilà. Me dis pas que je me suis bloqué. Non. No fucking way. No way. Non. Non. Non mais non. Mais non. Mais non. 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 Oh non. Oh non non. C'est une parfaite fin. Bah non. Alors, c'est le moment de se concentrer. Je peux faire ZQSD. Vas-y, la caméra, dégage! Je peux faire ZQSD, je ne bouge pas. Là, il y a un truc où je peux clipper à travers. Je peux sauter sur place? Je peux pas sauter. Je suis mort, je suis tellement bloqué. Là, il y a moyen, il y a... J'essaie de me débloquer. Là, en montant sur les cailloux, il y a moyen, non? Bah non, ils vont avoir mis un vue invisible, on peut pas monter sur les cailloux. Masturbation de clavier. Je fais de mon mieux. Hein. Donne tout fracas. Je me laisse pas abandonner. Là, regardez, là, il y a moyen, là. La première personne, là. Vas-y, frérot. Putain, j'arrive pas. Non, il y a pas moyen. Hein. Y a pas moyen. Et je retourne au menu, je speedrun le truc, je mets en pause YouTube. Forcer le glitch pour continuer, c'est dur. Refermer la porte, je peux pas. Je vais essayer d'appuyer sur eux, mais... Je peux pas. Une fois qu'elle est ouverte, c'est mort. J'essaie d'appuyer sur eux pour la fermer, mais... Pas le choix, oui. Allez, YouTube, on se retrouve tout de suite. Oh, YouTube, ça y est. On a récupéré la clé. J'ai pas refait toute la quête, il suffisait de dire « Non, je veux pas t'aider, mec. » À celui qui... De dire non, pas besoin, je veux pas t'aider au mec qui nous donne la quête au début. Et voilà, c'est le Palantir, c'est quoi ça? Je sais que ça va m'amener loin, je
sais-je. Je fais ça purement par intérêt, par intérêt, par intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bug. Le live a coupé. Le live a coupé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Vous êtes là, le chat, oui? Oh. Elle ralentit, là. That's Fracak. Captain Fracak. Ah, il a dit Captain Fracak au début. Snagunak. C'est trop stylé! Ah, ah, on va tous mourir! On va tous mourir! On va tous mourir! Non, c'est trop stylé! Un doublage VF, nickel! Exactement! Le parler noir! Et les mecs à côté, ils sont en mode standstill. Aucun souci! Ah, c'est des hommes du rang, hein! Et ouais, c'est trop bien. Un jeu dans lequel vous vous baladez et vous arrivez sur l'objet, vous interagissez avec elle. Vous voyez, c'est pas une cinématique. Même si là, c'est un truc. Ça sera peut-être pas comme ça dans le jeu final, mais moi j'adore l'idée de. Genre, tu prends Gandalf, je sais pas, tu joues Gandalf. Et t'arrives à l'endroit où il y a le palantir, je sais pas, dans la quête principale, t'arrives devant le palantir, t'appuies, et paf, tu vois ça, tu vois. En un peu plus mieux fait. Parce que là, c'est juste un petit truc classique, quoi. C'est trop cool. Bref. Trop stylé. Ah, donc il y avait que deux secrets. Parce que là, c'est la porte qui m'a ramené au même endroit. C'est la porte que j'avais vue au début. Secrets found. Celle-là, je peux l'ouvrir. Celle-là, on peut pas l'ouvrir. Ah non, c'est différent. C'est un autre endroit. Non, c'est ça. Ça mène au... Ça mène à la tour, c'est ça. Pas du tout. Ça mène... À la salle du trône. Et là, là ça mène à la tour. Mais la tour, ça mène où la tour, bordel? Ah, il faut faire la quête. La tour, c'est la porte là. Le corps. Ça mène la tour, mais il faut faire la quête pour que ça soit. Tu peux monter juste Tu peux montrer juste la corne où Gimli souffle. Bah, il faut lancer une quête et tout, et on l'a déjà fait. Tu peux aller voir la rediff si tu veux. La rediffusion d'un live sur Twitch. Vous allez sur le compte et vous pouvez revenir sur le live quand vous cliquez sur vidéo. Vous avez la rediffusion qui se met en direct. Donc tu peux voir. Le jeu est disponible où STP. Vous tapez Conquest Reimagine dans Google et vous pouvez télécharger. Après là on découvre ensemble et tout. Y a pas tellement de... Sauf si vous voulez voir les graphismes sur votre PC. Y a pas tellement de surplus pour être honnête je pense. Are you prepared for the night? Après voilà. Il y a quelques secrets que je suis pas allé voir. Peut-être que vous trouverez des trucs que j'ai pas fait. C'est vrai, peut-être que vous allez trouver d'autres trucs. Je suis prêt pour la nuit. Je suis prêt. On les attend. Hop, et on a des pops. Oh là là, c'est stylé, c'est stylé. Ça c'est stylé, ils ont repris exactement le même plan de présentation de la forteresse qu'au début de la quête. Ah ouais, bah ils ont fait exactement les mêmes plans que la quête du jeu qui est sorti en 2008, de début de mission du Gouffre de Helm. Et donc là, c'est un genre de remake de la bataille du Gouffre de Helm, quoi. Enfin, du jeu, quoi. Enfin, c'est le même jeu, hein, mais voilà. Et du coup, j'imagine que le but, c'est d'avoir les missions du jeu de base de 2008 entrecoupées de moments de scénario comme on a eu juste avant. Peut-être. Et là on va voir, est-ce qu'il y a du gameplay ou pas? Je crois que non. Non, je pouvais pas changer. J'ai essayé d'appuyer sur gauche et droite, ça marchait pas. Les hangars, êtes-vous prêts? Oh, c'est ultra stylé. Vous
voyez, le souci, c'est qu'il y a 4 pecnos derrière le mur. Et même sur le mur, il y en a que quelques-uns. Ils font des blagues sur le fait qu'il n'y ait pas Legolas et Gimli. Pas besoin de marche-pied ce soir. T'as compris? T'as compris? Pas besoin de marche-pied ce soir. We need not lose faith. I know in my heart he will see us through the night. Oui, tu sais que dans... il le sent dans son cœur qu'ils vont passer la nuit. Y'a pas un elfe qui survit. Dans le film en tout cas, il n'y en a pas un. C'est ultra stylé. L'uniforme et le skin est monstrueux. C'est très stylé, mais si on zoome, allez. Désolé. Non, je vais pas casser la magie. Il faut défendre la position. En place. Les piquets. Mes potes, je les appelle les piquets, je sais pas pourquoi, mais c'est leur surnom, quoi. C'est quand même stylé, hein. Ah, même derrière le mur, ça tire, genre. They have set the fire of Orthanc at the wall. Slay those torchbearers before they reach. Bordel, j'arrive pas. Alors attends, il faut tirer au bon moment, comment je fais? Il faut attendre qu'il soit proche du mur, genre. Tiens! Non, non, non! J'ai l'impression qu'il faut attendre le bon timing. Oh non, il y a des mecs qui meurent! Feu! Non, c'est trop tard! Oh, c'est trop tard! C'était bon! C'était bon encore! Attendez, feu! Il tire pas du tout sur les mecs, mais bon, c'est brave. Il y a un peu de monde quand même là. Ouais, mais tu veux que je te montre comment ça marche là au niveau du mur? Regarde, tous les mecs ils s'allongent, ils arrivent pas au mur. On en parle. Pour l'instant, on reste immergé. Oh putain, ouais, non, il faut être bon au niveau du timing. Il faut être bon au niveau du timing, sinon tu perds des HP. Jusqu'à maintenant, j'ai juste spammé F. Oh, j'en ai tué 3 en même temps là. Attendez. On tue les deux là. Attention. Feu. Lâchez. Feu. spam F Simulator. Là, le seul truc que je fais, c'est j'appuie sur F. Hop là, 4 tueurs en un coup, je suis un monstrueux. On voit le nombre d'archers que j'ai à gauche, qui me reste. Et on voit en haut à droite le nombre de mecs qui leur reste. Je sais pas parler elfique, moi. Ok, et du coup, paf. Et là, paf, on a tué les mecs. Et voilà.
first light of the fifth day rises. The White Wizard has led Aemir's men. Ils ont pris le victory de. This will be a glorious day for the people. La bataille pour le gouffre de Helm. Ils ont pris ça de l'autre jeu. Ah non, victory. Non, ils. Non, j'ai rien dit. C'est encore l'âge des conquêtes. J'ai dit n'importe quoi. C'est pareil à la fin, je crois, des missions. Non, j'ai rien dit. C'est pareil. Je mélange un peu les mes deux jeux préférés, c'est un anneau. Hein. Et voilà. C'est là, c'est finito, c'est finito. Pourquoi la caméra a fait ça? Ah oui, non, c'est bon. BFME, oui, aussi. Ouais, c'est la même chose, hein, BFME ou l'âge des conquêtes, j'ai l'impression, au final. Bah, c'est Electronic Arts qui avait fait les deux jeux, donc ce soit... C'est peut-être normal que ça... Salut, Captain, salut, combattant. Tu arrives sur la fin. Cool Stan, là, tu as raté, Cool Stan. Vite, un paquet de mouchoirs. Ouais. C'était très sympa. Unreal Engine 5, il envoie du pâté quand même. Je suis d'accord, c'est très joli. Mais... Bon. On va zoomer. On va aller zoomer. Là, c'est juste une démo technique. C'est très joli, très cinématique. Mais c'est comme regarder un film, quoi. Tu fais pas d'action, gameplay. Et un jeu a beau être magnifiquement beau... En fait, voilà, le reimagined, même si ils ont prévu de retravailler tout le gameplay et tout, hein, ok. Ils auront prévu de retravailler tout le gameplay, tout ça. Si je reviens là, c'était le trailer, non? Oh là là, YouTube, hop. YouTube. Oh là là, c'est dégueulasse. Oh, je suis en QWERTY. Oh là là, est-ce que ça va me le sortir? Ça me l'a sorti, incroyable. Oh, incroyable. J'y croyais pas. Bref. Bah quand tu vois ça, même aujourd'hui, ça paraît cool et tu pourrais dire que je vais jouer au jeu. Ok? Donc, à partir de ça, on peut juste pas dire si ça va être bien ou non en fait. Juste c'est tout. Il y a une bonne idée. L'idée, le projet de base en tout cas au niveau du visuel c'est cool. Mais quand on voit ça là... On se dit que c'est incroyable comme jeu, j'ai envie d'y jouer, même si les graphismes ils sont un petit peu outdated. Hein? Ça a l'air trop cool. En réalité, le gameplay il est pas bon quoi. Enfin, en vrai, moi j'aimerais bien me le refaire juste parce que c'est marrant, genre. J'ai envie d'y rejouer. Donc, je vous dis ça. Peut-être que je ferai un petit live sur le jeu. Parce que, quand même, la nostalgie et tout. Et il y a quand même le plaisir de faire les batailles du film et tout, hein, des films et tout. Mais, on va voir, on se le fait en coop, on discutera. Et voilà, mais du coup, le truc qu'il faut rester, c'est que c'est pas non plus un jeu énorme, machin. Ah, peut-être que je suis trop méchant avec le jeu, avec l'ancien jeu, peut-être que je suis trop méchant. Pour un jeu de 2008, c'était quand même marrant. Et c'est pas un jeu qui était assez bon pour durer dans le temps, voilà, on va dire ça plutôt. Bref, et bah là, c'est un peu pareil, quoi, on a du visuel, mais là, pour le coup... Là, ce que je vous ai montré, c'était du gameplay de l'autre jeu, quoi. Là, on a vraiment... On n'a pas de gameplay, quoi. C'est vraiment, c'est du visuel. Et si je vous remets vite fait... La bataille du gouffre de Helm. Très vite. Et que vous regardez quand les mecs font ça, là... Je vais zoomer. YouTube, je vous montre ça, on passe ça. Ça y est, YouTube, on y est. C'est là que le rideau tombe. J'arrive pas à zoomer? Si, j'arrive à zoomer. Attendez, on va y arriver. Je fais n'importe quoi. Non. Oh, j'ai tout cassé. Là, vous les voyez, eux? Vous les voyez, ces orokai, là? Vous êtes prêts à vous battre contre eux ou pas? Parce qu'à mon avis, ça va être facile. À mon avis, tu prends une petite aiguille, tu fais ça, et la poupée gonflable, elle explose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est sur un délire de... bon. Voilà. C'est très joli, vu de loin, machin. On n'a pas de gameplay, c'est une démo technique de comment ça pourrait rendre, machin, mais... C'est pas du Bannerlord. Bannerlord, tu tires sur le mec, il tombe, ok? C'est pas du... Mais c'est très joli. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Hop là, on fait CTRL-Z, 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 jusqu'à ce que tout marche bien comme avant. Voilà.
Et voilà. C'est Bannerlord version 1.0.0.1. Et voilà. Et donc, pour que le jeu soit trop bien, il faudrait qu'on ait autant de troupes que sur Bannerlord pour moi. Oui. Ou peut-être que ce serait différent, oui, mais au moins quelques centaines, quoi. Et pour ça, il faudrait l'optimiser à fond. Parce que là, déjà, au niveau des FPS, je suis pas à 60. Hein. Et il faudrait que le gameplay marche bien et tout. Et est-ce que c'est possible d'avoir autant de troupes, par exemple, sur Unreal Engine que sur Bannerlord, en ayant les graphismes comme ça derrière? Peut-être, je sais pas. Et voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Même si ça, c'est très stylé, vous voyez. Ça, c'est merdé bien. Hein. Mais bon. Très stylé au niveau visuel, la direction artistique est top et tout. Maintenant, le gameplay, les nouvelles mécaniques de jeu qu'ils ont mis en place pour retravailler le mode. Mais je leur souhaite tout le bonheur, hein, vraiment. Trop hâte de voir la suite. Là, ils ont montré que du visuel. Maintenant, gameplay. Pour moi. Et voilà, quoi. YouTube, si ça vous plaît, des petits raids comme ça, des trucs différents de Mountain Blade, de Bannerlord et tout, vous me le dites en commentaire, vous mettez des pouces bleus. Moi, ça fait du référencement, c'est cool. Et voilà, on se retrouve au prochain combat. Hein. Des bisous. Hein. Ah là là, cette vidéo ne va pas être monétisée parce que... Elle sera pas monétisée juste à cause de la première minute 30 de la vidéo.